Vous ne rêvez pas. C'est incroyable ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Mon Dieu, ça fait tellement plaisir. C'est un nouveau jeu Zelda, et oui! Incroyable. Sorti aujourd'hui même, et pour vous, c'était hier. On commence directement par contrôler Link. Ah là 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 là. Trop stylé. Alors ça, j'ai l'impression que c'est un nouveau standard de chez Nintendo, j'ai envie de vous dire. On commence avec full cœur, full stuff. Enfin, de chez Nintendo, non, de Zelda en tout cas. Parce que dans Tears of the Kingdom, c'était comme ça que ça se déroulait. Et là, on est full stats, full cœur. On a l'inventaire, ok. Déjà de quoi faire, on a 500 rubis. On est riche, lol. Voilà, c'est trop sympa. On peut sauter. Donc on commence par Link, évidemment. Mais ça va pas bien se passer. On le sait, ça. On est probablement dans un donjon. Alors, scénaristiquement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que Link se retrouve ici, en fait, vous voyez? Et que Zelda était emprisonnée. On est encore dans des ruines. On peut pas passer par ici, mais on doit pouvoir envoyer une bombe. Cette fois on les a. Ta-ta-da-da-da. Non, ça ne change rien. Ok. Voilà. Déjà musicalement déjà, on est sur quelque chose de qu'on reconnaît évidemment. À lever le bouclier. Paf, toi tu dégages. Ok. Ça craint les flèches, ça craint les flèches. Ok. Tadadadam. Ah, on a l'arc en main, ça c'est stylé. On peut avoir plusieurs armes, ça c'est pas mal. Enfin, vous voyez que quand on joue en mode épéiste, quand on joue Link en tout cas, on a l'arc. C'est cool ça. Tadadadam. Hop. Ok, bon, on est évidemment surcheaté, on a le bouclier d'Ilia. On a la tenue, on a la petite cape qui est également un nouveau standard. Je sais pas si c'est un standard, mais. J'ai envie de péter ça là. Hein. Je sais pas si. Non, il se passe rien. Hop. Cibler. Ah, je peux cibler avec ça, ok. Je l'avais déjà fait instinctivement en mettant le bouclier en fait, mais. Je tire le mur, je tire dans le mur là. Hop. Voilà, on peut sauter, viser, tirer. Incroyable. On fait des petits sauts comme ça, là, paf. Ça a l'air vachement stylé, en tout cas. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Comme introduction. C'est très cool. Même si on sait que nous, qu'on va jouer Zelda derrière. C'est très cool. À la fois musicalement, visuellement, j'aime beaucoup ce qui se passe. Hop. Et je sais pas si ça se joue comme se jouait le remake de Link's Awakening. J'ai pas tout à fait l'impression que c'est un peu la même chose si, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Link's Awakening. Ok, là on sent le Ganondorf, Ganon plutôt, Ganon se pointer. Tintin, c'est drôle de commencer par ce qui est habituellement la fin du jeu. Encore toi. Et oui, toujours moi. Tu es toujours aussi obstiné. J'aime beaucoup l'effet de texte derrière là. Enfin, cette fois, il se trouve que ça m'arrange. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Ta-da-da. C'est pas aussi net que ce qu'on aurait aimé que ce soit, visuellement parlant. On peut plus récupérer les capuches. Parce que faut que Zelda puisse la prendre. Commence direct par un. Aïe! Commence direct par un boss final. Ok, on le tape. C'est drôle ça. Enfin, un boss final. Oui, un boss final de ce que pouvaient être les autres jeux. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça se passait mieux. Ah putain.
Ça, je suis pas dedans là. J'arrive pas à... Attendez, alors il est là. Paf, paf, paf. Le fameux ping-pong. Ok, il y a juste à envoyer deux fois. Tennis. Ok, ça va, ça va. Je suis redans. J'ai envie de sprinter et... Et j'ai pas l'impression que je puisse. Aïe. L'épée, elle est là. C'est pas l'épée habituelle. C'est pas l'épée légende, quoi. Elle a l'air de faire masse de dégâts. Hein. Ok, ça dégage. On n'est pas en... Si, on est peut-être en 1080p, mais vu que je suis sur un écran 4K... En vrai, sur le retour, c'est plutôt bien. Quoi qu'il rigole. Ce n'est qu'un fantôme. Ah. Sa lance qui fait une faille. Non, Link. Tchou. Paf. Zelda, c'est à toi. À toi de jouer, Zelda. Donc à nous, hein. On va directement rejouer Zelda. Eh oui, on va directement rejouer Zelda, j'ai l'impression. Ok, quand je bouge le stick, ça... Ok, j'ai arrêté de voir si c'était vraiment moi qui jouais ou pas. Et oui, effectivement, c'était à moi de jouer Zelda, de changer le stick. On est à 3 cœurs. Ah, bonjour, Madame la Fée. Qui me demande de prendre la capuche de Link, évidemment. Ok, il y a un mur, il y a le mur invisible. Ta-da-da-da. Vous avez obtenu la capuche de l'épéiste. Cette capuche, laissée par l'épéiste tout de vert vêtu, peut dissimuler votre visage quand vous la portez. Bah, il n'est pas tout de vert vêtu puisqu'il avait une capuche bleue. Enfin. Pourquoi vous ne l'appelez pas Link? Salut. Ouais, recule en fait, Zelda. Peut-être. Ah oui, c'est moi qui compte, c'est moi qui joue là. Cours. Cours choupette. Comme dirait Yuli. Non 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 non. Ouah. Ouah. On est dans la mouise là. On a vraiment pas le droit à l'erreur. Hein. Hop. Ça va, mais dans le virage, on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. On peut pas sprinter. Genre, je sais pas, j'ai envie de tester, et en même temps, j'ai pas envie de tester. Ouah ! De me prendre le truc. Mais j'ai pas très envie. Ça niquerait la scène épique. C'est très très chelou. Hein. T'as des bouts de machin qui sont dans le... dans les failles. La limite entre les deux est très étrange. Le Breath of the Wild moment, évidemment. Ça aussi, c'est un nouveau standard. Mais c'est plutôt cool. Parce que c'est tellement stylé. Echoes of Wisdom, donc. Nouvelle aventure de la légende de Zelda, mais cette fois, on contrôle vraiment Zelda. Ça, c'est vraiment, vraiment très sympa, parce qu'au niveau du gameplay, ça a bien changé. Alors, j'ai vu que les... Que la... Alors, il y a eu trois trailers, je crois. J'ai vu que les deux premiers. Parce qu'il fallait que je me hype, hein. J'avais besoin de contenu. Ah oui, les failles sont vraiment... Continue quoi. Se propage. Ça va s'arrêter un jour hein. On est dans la mouise jusqu'au bout. Là. Non, c'est parce qu'à un moment, je crois que dans le château, j'avais vu dans une cinématique, enfin dans un des trailers justement, que le roi se faisait chaparder. Les déesses, Falloway, vous êtes en vie. Et Link, tout le monde s'en fout. Vous n'êtes pas blessé. Ces 7 jours où vous avez été enlevé ont été un véritable cauchemar pour nous. 7 jours. C'était pas très long en vrai.
Link, il est assuré de fou. Les soldats vous ont cherché jour et nuit sans succès, nous craignant que vous soyez volatilisé. Princesse, princesse, tu veux bien jouer avec moi, dis. Il y a une énorme faille ici, mais le principal, c'est que vous soyez revenu. Traltès, permettez-moi de vous souhaiter un bon retour parmi nous, moi aussi. Puis-je vous suggérer de vous rendre sans délai auprès de Sa Majesté le Roi d'Hyrule. Autrement dit, votre père. Il sera sans nul doute ravi d'apprendre que vous êtes revenu sain et sauf. Citadelle d'Hyrule. Oui. Oula. Ça rame un peu, là. Ta-da-ta-da. On est là, on sent le... Ah, voilà, c'est un peu mieux, là. Avec l'eau, là, on sentait le 30 FPS, je crois. Hein. Même moins que ça. Oh, votre Altesse, j'étais si inquiet. Sa Majesté, le roi vous attend dans la salle du trône. Nous avons cherché partout, votre Altesse, mais en vain. C'est un tel soulagement de vous revoir saine et sauve. Autrement dit, vous servez à rien, quoi. Quel soulagement de vous savoir de retour, nous étions morts d'inquiétude à l'idée que vous puissiez ne jamais revenir. Nous avons remué Salietaire pour vous retrouver, votre Altesse. Tous les jours, les recherches étaient organisées. Tatin. Ah bah, rip la maison. Bon, en fait, j'ai l'impression que quand il y a des failles, ça. Ça rame de fou. C'est un peu dommage, ça. Votre Altesse, quel malheur, regardez ce qu'il y a, dans quel état est notre précieuse maison. On peut même plus entrer à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, à moins que ce soit l'eau. C'est pas trop. C'est un peu étrange. Allez, on va rentrer. C'est juste le temps que ça charge. Je sais pas. Ok. Ça m'a l'air d'être mieux. Impa! Votre Altesse, je suis heureuse de vous voir de retour. En tout cas, je surkiffe, hein. Vous imaginez un nouveau Zelda encore, là? Après Tears of the Kingdom l'année dernière, on a un nouveau Zelda. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on vivrait un nouveau Zelda aussi rapidement. Moi, Impa, votre dévouée servante, je n'ai jamais autant maudit mon impuissance qu'après votre enlèvement. C'est intéressant de savoir ce qui s'est passé avant aussi. Des failles se sont ouvertes, ça et là, et l'inquiétude a gagné les citadelles. Je suis certaine que votre retour mettra du baume au cœur de la population. J'avoue néanmoins que même si je n'ai jamais douté de votre adresse, je ne pensais pas que vous reviendrez par vos propres moyens. Oh, pardonnez-moi si je suis si heureuse de votre retour que ces mots m'ont échappé. Hâtez-vous, Sa Majesté, le roi d'Hyrule vous attend. De mon côté, je vais vous faire couler un bon bain chaud. Ça serait intéressant de savoir ce qui s'est déroulé avant pour que Ganon réapparaisse. Alors, il s'appelle comment, lui? Ça va être Roam Pabosferamus Hyrule. Pas Roam. Général Dex, votre Altesse, vous êtes vivante! Votre Altesse, vous n'imaginez pas à quel point votre retour nous emplit de joie, ministre Sénès. Toutefois, j'ai si honte que nous n'ayons rien pu faire pour vous retrouver après votre enlèvement. Vous êtes des incapables, il n'y a que Link, mais personne n'est au courant que Link est y allé, ou la ministre Sénès a raison, nous sommes profondément désolés de ne pas avoir pu vous porter secours. J'ai l'impression que Link, il a fait cavier seul. Hein. Général Dex, ministère Sénès. En tant que père, je suis touché par votre sollicitude, mais pour l'heure, réjouissez-nous du retour de ma fille. Réjouissons-nous. Ma chère Zelda, je vous félicite d'être revenu parmi nous. Approchez-vous que je puisse admirer votre visage. Ah, je suis si soulagé. C'est bien, vous êtes saine et sauve. Mais dites-nous, Zelda, que vous est-il arrivé? C'est bien de le dire, mais dis-le-nous. Vous avez été emprisonné par un monstre bleu jusqu'à ce qu'un épéiste vêtu d'un habit vert vienne à votre secours. Ah, elle ne connaît pas Link? Ah! Intéressant, ça. Et après avoir vaincu le monstre, l'épéiste a été englouti dans une faille. Donc, elle ne connaît pas ni Ganon, du coup, ni l'épéiste. C'est intéressant, ça. Cet épéiste vous a donc sauvé la vie. Comment ça se fait qu'elle ne connaissait pas Link alors qu'il était déjà full stat et tout? Et comment ça se fait que Link, il est y allé? Est-ce qu'il y a une histoire de Link qui vient d'un autre endroit et... Non, c'est chelou. On va découvrir. Hein. Je vais arrêter de partir dans des délires. Il s'est fait engloutir par la faille, mais nous n'avons d'autre choix que de le considérer comme volatilisé lui aussi. En effet, j'espère qu'il est toujours en vie. Volatilisé, vous voulez dire comme tous ces pauvres gens qui ont disparu à travers le royaume. Tout à fait. Le phénomène n'épargne aucune région dans notre beau pays. Depuis fort longtemps déjà, des failles s'ouvrent dans le royaume et emportent de jeunes enfants. Ah non, ok. Donc c'est pas nouveau, les failles. Mais j'ai l'impression que le phénomène s'est amplifié. Nous tâchons bien sûr de nous en prémunir, mais lorsque cela arrive, nous disons d'eux qu'ils se sont volatilisés. Ceux qui ont perdu des êtres chers n'ont alors que leurs yeux pour pleurer. Malheureusement, ces derniers temps, les cas de volatilisation se sont multipliés partout dans le royaume. De plus, les victimes ne sont plus seulement des enfants, beaucoup d'adultes se volatilisent aussi. Quelle peut bien être la cause?
quelle qu'elle soit. Nous devons impérativement retrouver cette épéiste vêtue de vert, et le plus tôt sera le mieux. Votre Majesté ! C'est intéressant, ça. Ça a l'air d'être un peu différent des scénarios, on va dire, classiques des Zelda, et c'est cool. Puisque forcément, c'est Link qui se fait enlever, mais... C'est intéressant, le Hyrule dans lequel on prend place. Qu'y a-t-il ? Vite, parle ! C'est terrible ! Parce qu'au début, on pensait que ça pouvait être une suite à ce qui pouvait être genre A Link to the Past. J'ai pas fait A Link to the Past, mais est-ce qu'il y a cette histoire de faille et tout dans Link to the Past? Je pense pas du tout. Hein. Donc c'est vraiment un autre monde, en fait. Nous avons reçu des rapports d'incidents causés par des failles dans plusieurs endroits. Comment? Saurais-tu nous en dire davantage? Oui, Votre Majesté. Je suis très intrigué par le scénario. Très cool. Aberip. Non, Martha! Elle avait une tête à s'appeler Martha. Ah, il y a des monstres qui en sortent. Ça c'est la loose. Les problèmes. Quelqu'un aurait disparu après avoir été englouti par une faille du côté du village du sud. Le fameux village du sud et pas du nord. On nous a aussi rapporté que des monstres noirs attaquaient les passants sur la plaine d'Hyrule. Voilà qui est terrible. Merci pour ce rapport. Va dire à tous les soldats de se préparer au départ. À vos ordres. Général Dex, ministre Sénès. Votre Majesté. Ministre Sénès, continuez d'enquêter au sujet des failles. Trouvez un moyen de venir en aide aux malheureux qui se sont fait engloutir. Tout de suite, Votre Majesté. Général Dex, occupez-vous des monstres, préparez-vous à mener les troupes au combat. À vos ordres. Notre royaume est en crise. Je compte sur vous pour faire toute la lumière sur ces failles et pour retrouver nos sujets disparus. Tin-lin-lin. Et il se fait failler la gueule. Je pousse Zelda. Mais ils sont cons, eux. fallait faire la lumière sur l'affaire, là. Qu'est-ce que... Bon, vous avez essayé de sauver le roi, je comprends bien, mais... Allez, ça en devient deux monstres. Ah non, mais ça en revient carrément des... plus que des monstres, là. C'est pas des bocoblins, c'est des... Garde ? Roi d'Hyrule. Un truc me tourne autour, je sais pas si c'est un moustique ou une mouche. C'est une mouche, ça va. Ouf. Jetez-la au cachot. D'accord. Il n'y a que nous qui voyons qu'il y a des particules violettes derrière. La princesse? Au cachot? Mais c'est ma fille Zelda qui a ouvert cette faille. Nous ne pouvons pas laisser en liberté la dépositaire d'un aussi dangereux pouvoir. J'ai moi-même du mal à y croire. Mais le général Dex et la ministre Sénès, si présents, peuvent témoigner de sa culpabilité. Mais Zelda, défends-toi, ne restez pas planté là, dépêchez-vous de l'emprisonner. À vos ordres. Mais enfin Zelda. Mais c'est eux les traîtres. Donc on a un faux roi qui se fait grand remplacer alors que les autres se font grand remplacer par des beaux gobelins. C'est étrange tout ça, c'est étrange. Pourquoi devons-nous enfermer son Altesse? Qu'est-ce que sa majesté peut bien avoir en tête? N'est pas au courant, apparemment ce serait la princesse qui aurait ouvert les failles dans la salle du trône. Quoi, mais tu plaisantes? Mais alors, est-ce qu'elle serait aussi responsable des autres failles qui s'ouvrent un peu partout? Ah là là, les gardes, toujours aussi compétents. Il paraît qu'elles ne disparaîtront pas tant que la princesse est en vie. Sa majesté envisagerait même de la faire exécuter pour protéger le royaume. J'arrive pas à croire que son Altesse ait pu faire une chose pareille. Mais c'est du flan, dans la mouise. Au secours, Tri vient nous aider. Voilà, j'arrive à sauter de là à là, incroyable. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Le jeu qui m'a fait non, tu ne passeras pas. Coucou. La lumière qui était avec nous à la capuche, qui a disparu après, qui revient nous trouver. La fêterie. Try plutôt. Non, tri, hein. Parce que try se fait essayer. Le tri de la Triforce, hein. Tu peux me voir? Évidemment. Je m'appelle Tri. Avec trois morceaux de Triforce derrière. C'est forcément lié à la Triforce, toi. Hein. Moi aussi, je m'étais fait capturer par ce monstre bleu. Je t'ai observé pendant tout ce temps. Je t'ai également suivi jusqu'à ce château. Oh, mais j'y pense. Je ne connais toujours pas ton nom. La boucle d'oreille de Zelda est également un triangle de la Triforce. Intéressant, ça. Zelda, c'est noté. Tu sais, Zelda, tu cours un grand danger en restant ici.
La personne qui t'a fait enfermer, c'est le roi, c'est ça? Eh bien, elle a ordonné de préparer ton exécution au plus vite. Dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que je devais te prévenir. Mais surtout que c'est pas le roi, donc. En fait, le roi et les deux autres ont été engloutis par la faille. Ce que tu as vu en ressortir sont... comment dire? J'aime bien ce qu'ils ont fait avec les boîtes de dialogue, les textes en arrière-plan. Entre quand c'était Ganon en violet comme les failles, et là en jaune. Pas très fort. Des imposteurs, je vois, c'est ça le mot. Alors toi aussi, tu t'en étais rendu compte. Zelda, tu ne peux pas rester ici, c'est beaucoup trop dangereux. Je suis sûr qu'on pourra faire éclater la vérité si on arrive à sauver les personnes qui se sont fait engloutir par la faille. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas en ressortir par leurs propres moyens. Il faut qu'on aille les sauver ensemble, Zelda. Mais d'abord, c'est toi qu'il faut sauver. Sortons d'ici. Ouais, mais moi, je peux pas passer, moi. T'es mignonne, Tri. Tu ne peux pas passer à travers les barreaux? Voilà qui est intéressant. Dans ce cas, je vais te prêter mon pouvoir. Ta-da-da-da-da! Parfait. Très stylé ce bâton. Ta-da-da-da! Ta-da-da-da-da! Eh, ils ont changé aussi, mais sympa ça. Vous avez reçu le spectre de Tri. Le spectre, c'est un fantôme. Un sceptre mystérieux de la même couleur que Tri, il s'en dégage une douce chaleur. Je peux créer des copies de choses qui se trouvent dans ce monde. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je suis sûr que ce sceptre te sera utile. Approche-toi de ce qui brille, appuie sur ZR. Bonjour, petit tabouré. Ta-da-ta-tin. Tin-ta-ta-ta-tin. Ok, vous avez mémorisé la table. J'ai repris des mélodies... iconique pour des différentes choses. Voilà, c'est comme ça qu'on mémorise les choses. Tu peux reproduire tout ce que tu as de mémoriser en appuyant sur Y. Moi, je peux la déplacer. Je peux déjà faire ça, de toute façon. Là, je peux pas sauter. Ok. Incroyable. Et ça utilise effectivement un triangle. Oui, tu as réussi. Mes camarades et moi, on appelle la reproduction d'une chose mémorisée un écho. Comment ça, tes camarades et toi? Il y a d'autres fées? Est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres pouvoirs, du coup? Si tu veux effacer un écho, approche-toi, puis appuie sur ZR. Pour effacer tous les échos, appuyez longuement sur R. En appuyant sur Y, vous pouvez reproduire des choses que vous avez mémorisées avec ZR. Le pouvoir des choses que vous pouvez reproduire dépend du pouvoir de tri, les triangles disponibles. Et appuyez sur ZR pour faire disparaître quelque chose. Ok. Ah, il faut lâcher, ok. Hop. Non, j'ai failli faire tomber le truc. Et là, la cellule est ouverte. Parfait. Maintenant, tu vas pouvoir t'évader. Allons-y. Peut-être plus de ce côté-là. De l'autre côté, il y avait les gardes. On va éviter. Ah, passer par la cuisine. Ok. Alors... merde. On va se faire un petit escalier. Ta 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 ta. Hop. Ah, je peux peut-être prendre les caisses. Ta 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 ta. Même besoin d'écho de la caisse en bois. Ta 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 ta. Encyclopédie. Ah, ok. Une petite table basse, elle peut supporter le poids d'une personne sans problème. Une grande caisse faite de fines planches de bois, elle est vide et légère et peut donc flotter sur l'eau. Ah, c'est intéressant ça. Tu peux voir tous les échos que tu as mémorisés en appuyant sur la flèche du bas. Enfin, la flèche du côté, pardon. Tu peux en choisir avec R et lâcher pour le définir comme écho à reproduire. C'est avec l'autre stick, ok, parfait. Ah. Donc, je vais avoir besoin de ça pour monter. Ah, je tombe. Non, je tombe. Ah, je peux soulever ça. Comment je fais pour passer, là? Hop. Je ne passe pas, on est d'accord. Comment je fais? Est-ce que je dois passer là, vous pensez? Attendez.
peut pas passer là, donc on va faire un truc comme ça. Ok. Je peux pas la pousser. Si, je peux la pousser. Si je fais comme ça, est-ce que si je la pousse en demi... Ah, ça marche ça. Ok. Non, merde, attendez. Hop. Faire ça. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, je peux faire un truc comme ça. Je peux aller là. Ça change quoi de faire ça? S'en fout. Si je bloque ça comme ça, ça passe plus. Voilà. Hop. Encore mieux. Tiens, ça me rappelle que l'autre jour, j'ai cassé un pot. Quand le général Dex a entendu ça, il est arrivé en courant. Oh, il a dû te passer un sacré savon. Même pas, j'ai paniqué, j'ai jeté un autre pot plus loin. Résultat, le général est parti dans la direction du bruit et il ne m'a même pas vu. Le général Dex n'est pas toujours très futé. Bah, la fameuse mouche, vous savez, elle est de retour. Bah, elle me fait chier. Ok, alors, du coup, je vais sûrement devoir passer là. On va écouter le pot. Vous avez mémorisé l'écho du pot de Château d'Hyrule. Ok. Il y avait un rubis. C'est honteux. Un truc comme ça, il s'en fout. J'ai oublié mon... J'ai pas eu de rubis. Alors, attendez. On va faire ça. Hop. Salut, tu ne m'as pas vu, tu ne me vois pas, tu ne me verras pas. Hop là, parfait ça. Oh, la statue. Statue d'Ilia ou pas? Oh, Impa. Votre Altesse? Les déesses Falloui, vous êtes saine et sauve. Rassurez-moi, vous n'êtes pas blessé. Mais qui est-ce qui a bien pu passer par la tête de Sa Majesté? Qui pourrait croire que vous avez ouvert cette faille? C'est parfaitement ridicule. Quoi, le roi, le général et, la ministre sont tous des imposteurs? Vous avez reçu l'aide du seigneur Tri et son sceptre? Du seigneur? Ah, c'est un monsieur? Je pensais que c'était une fée. Mais c'est un fée. Ma foi, voilà au moins une bonne nouvelle. Tu maîtrises bien le pouvoir du sceptre, Zelda. Faire une écho de Impa ou pas? Votre Altesse, où est le seigneur Tri en ce moment? Je ne le vois pas. N'est-il pas avec vous? Non. Elle ne nous voit pas. C'est parce que tu as la Triforce, Zelda. Je crois que personne d'autre que toi ne peut me voir, Zelda. Link devrait pouvoir la voir. Ou le voir. Comme Ganon, malheureusement. Le monde est décidément plein de mystères. En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté, votre Altesse. Et puisque Sa Majesté envisage de vous faire exécuter, vous devez fuir le château au plus vite. La tenue que vous portez risque d'attirer l'attention. Je vous ai apporté de quoi vous changer. Votre Altesse, que vois-je dépasser de votre poche? Je vois, c'est la capuche que portait l'épéiste qui est venue à votre secours. Elle semble être à votre taille. Vous allez pouvoir vous en servir pour dissimuler votre visage. Hâtez-vous avant que quelqu'un n'arrive. Comment je fais pour changer de tenue? Ouais, elle change toute seule. Hop. J'aime bien comme Impa s'échange à regarder à côté. Vous avez obtenu la tenue incognito. Parfait ça. En plus d'être un bon déguisement, elle n'entrave pas les mouvements. Il en dégage une odeur de vieille armoirie. Bah super. Appuyez sur ZR pour faire un rapide tour sur vous-même. Très bien, maintenant vous devriez pouvoir vous déplacer plus aisément. Altesse a disparu, retrouvez-la. Bonjour, je ne sais pas qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Vrai que nous avons de la compagnie. Laissez-moi m'en charger. Mamie Impa. Dame Impa, mais qui est-ce avec vous? Est-ce que ce serait son Altesse? C'est bien elle, il faut nous la remettre sur le champ.
vous la remettre? J'ai bien peur de ne pas pouvoir accéder à votre requête. Bon là là, ma mime pas. Trop forte. C'est que c'est une Shaika de fou. Ah, elle a l'œil derrière la cape. Pas mal ça. Faltes, prenez ceci. Trop forte. Vous avez obtenu un journal. Grand-mère, mais encore, elle a pas perdu ses repères. C'est un carnet qui Impa vous a remis une carte et glissé entre ses pages. Ah oui, la carte a l'air plutôt bien grande, hein. Ça fait plaisir. Rendez-vous à la maison marquée d'un point jaune. Dites que vous venez de ma part et l'on vous viendra en aide. Là-bas. Continuez tout droit et on vous trouvera un passage qui vous conduira hors du château. Fuyez par là. Straltes, nous reverrons plus tard. Les mystérieuses failles, destination, quête principale. Ça m'a l'air d'être un bon moment pour sauvegarder et s'arrêter là pour cet épisode. On va virer, on va pas faire ça. On va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. J'ai très hâte. Ciao, ciao tout le monde et à la prochaine.